Je m'appelle Danielle Thibault. J'enseigne les maths puis la science techno à l'école Versant en art d'Atelville. Puis, ce que j'ai à vous partager, c'est les principes de l'inclusion. C'est toute la nouvelle structure en service intégré. Puis, ce que j'ai de positif à dire, c'est que ça fonctionne très bien avec les élèves parce qu'on a des petits groupes d'élèves qui travaillent ensemble parce qu'on est plusieurs personnes ressources quand ça se produit, quand on fait du décloisonnement. Puis, en ayant des petits groupes d'élèves, ils posent plus de questions, ils sont plus à l'aise, ils travaillent beaucoup mieux, ils ont tout de suite de l'aide parce qu'on les suit de plus près. Puis, même si les autres sentent qu'ils n'ont pas d'aide, en les voyant travailler, des fois, moi, j'interviens avant même qu'ils posent les questions parce que je suis au courant, là, je peux voir là, leur progrès puis leurs difficultés. Fait que ça, c'est vraiment un positif. Donc, ils ont un suivi immédiat par rapport à leur progrès. J'essaie de mettre en mettre. Je suis à l'école de Versant en 8e année. J'étais toute la sortie de la classe. Pour que je peux plus être avec mes amis. Salut, je suis Jolie. Je suis enseignante de 6e année à l'école Versant. Je suis aussi directrice adjointe à l'école. Cette année, un projet d'inclusion scolaire qu'on a voulu commencer. C'est le décloisonnement à l'externe. On a voulu tenir compte des différences de chacun des élèves. Alors, ce projet-là nous permet de profiter au maximum de l'expertise de chacun de nos intervenants aussi, parce que là, on a seulement une 6e année à l'école, on a une 7e année aussi. Donc, on a voulu jumeler nos élèves pour leur offrir les meilleurs services. On a, dans notre équipe, on a aussi, en plus d'avoir l'enseignant de 6e et de 7e en français, on a l'enseignante ressource. On a aussi une assistante à l'éducation. Ça fait, qui fait qu'on a des petits groupes. On est capable de travailler avec chacun avec des petits groupes qui permet le meilleur respect de la progression de nos élèves, qui permet aussi de cibler mieux les interventions qu'on va faire avec chacun. On est capable aussi d'intervenir plus efficacement et rapidement possible parce que les élèves sont plus au même niveau. Donc, on est capable d'intervenir avec les besoins de chacun, justement. Aussi, les élèves en difficulté, je crois, sont un petit peu moins intimidés de participer parce qu'il n'y a personne dans leur groupe qui savent peut-être mieux qu'eux, donc c'est comme une façon d'être moins gêné puis de vouloir participer un petit peu plus. On a un groupe de doués aussi, on a différents groupes de doués, on a des élèves forts, on a des élèves moyens, on a des élèves en difficulté. Donc, on est capable, puis nos élèves doués, donc ils savent déjà qu'est-ce qu'on est en train de montrer. Et ils font complètement quelque chose de différent aussi. Alors, on a voulu profiter des Jeux olympiques qu'on a cette année. Alors, ils nous travaillent un gros projet par rapport aux Olympiques qui est très intéressant. Aussi, la structure, quand on parle de structure ou l'aménagement physique, c'est sûr que c'est un petit peu complexe au début pour les locaux, ces choses-là, parce qu'on n'est pas tous en même place, on est quand même proches, mais on a voulu essayer de trouver des locaux. Ça fait pas tout le temps facile, mais on s'organise aussi de ce côté-là. Puis, on a des périodes d'accompagnement aussi avec nos élèves, où est-ce qu'on offre des cliniques. Puis ça, c'est à tous les jours avec les élèves en mathématiques et en français. Quelque chose qu'on a vu du projet qui aide beaucoup, c'est... ça aide à la planification justement des enseignants et des personnes ressources parce qu'on a été capable de travailler ensemble. Le groupe fort pouvait travailler avec le groupe moyen pour planifier et les élèves, et aussi le groupe en difficulté pouvait travailler ensemble pour planifier aussi pour les élèves. Donc, on peut économiser du temps là-dedans aussi. Alors, c'est peut-être pas un projet parfait, mais c'est un projet qu'on aime à l'École Versant-Nord qui permet de tenir compte des différences à l'école. Puis, on veut faire ce projet-là pendant plusieurs semaines pour voir où est-ce que ça nous amène. Puis, justement, de s'ajuster après pour voir comment on peut le continuer. Alors, comme on dit depuis le début du projet, on dit que chaque élève veut se rendre à Rome, sauf que chaque élève va prendre un chemin différent pour s'y rendre. Puis, je pense que c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire avec nos élèves. Bonjour, mon nom c'est Tommy Bourdieu, je suis élève de 8e année à l'École Versant-Nord. Bonjour, moi c'est Antoine André, je suis élève de 8e année à l'École Versant-Nord. Moi, ce que j'aime de ce fonctionnement-là, c'est qu'on est un petit groupe, on peut poser plus de questions. Moi, je suis moins gêné quand je suis un petit groupe. Puis, ça prend moins de temps
à poser des questions parce que quand on est un grand groupe, il y a beaucoup de monde qui lève la main pour plus de questions. Puis on avance plus vite aussi parce que nous autres, on est plus des élèves doués. Donc, quand c'est notre niveau, puis quand on a... On n'attend pas pour les plus faibles qui faisent... Je pense, oui. Puis on a... Si on pose des questions, on va avoir plus la réponse vite. Je m'appelle Simon Bourget. Je vais à l'école Vincent Nord, puis je suis en 8e année. Moi, comme dans mon cours de maths, j'ai plus qu'un prof. Mais un prof, mais il y a plusieurs aides enseignants. On peut, comme on se divise tout en petits groupes, les plus forts avec les plus faibles. Mais c'est pas comme avant, parce qu'avant, c'était plus gênant, on se faisait juste rencontrer par un. Moi, je trouve ça mieux parce que ça m'aide à mieux apprendre. Comme t'es pas tout le temps avec les mêmes profs, tu peux apprendre différentes stratégies parce que, comme disons qu'il y en a une qui t'apprend une stratégie, mais l'autre peut t'en apprendre une autre, puis après tu peux choisir quelle que t'aimes mieux. Bon, moi c'est Yannick Johnson, je suis assistante en éducation à l'école Versailles-Nord. Qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que je trouve que pour les élèves en difficulté, ben ils ont plus de temps à travailler sur ce qu'ils comprennent moins. C'est moins gênant pour eux autres parce qu'ils sont avec tous des petits groupes du même niveau. Ça fait que c'est moins gênant, moins stressant. Puis pour les plus forts, ben quand ils ont fini, ben ils peuvent passer à autre chose. Ça fait qu'ils ont moins de pertes de traits parce que il y a moins de personnes. Puis après ça me donne un meilleur contact avec les élèves parce que je les vois toutes. Je vois pas seulement ceux-là qui sont en difficulté. Les petits défis, ça serait plus au niveau du temps, au niveau de période de préparation. C'est sûr que les personnes impliquées, on se parle puis on s'envoie des courriels, mais j'aimerais tellement qu'on puisse s'asseoir ensemble puis vraiment, vraiment plus planifier puis plus avoir de détails. Un peu souvent parce que... Ce que je trouve qui est un peu plus difficile, c'est des fois on a des difficultés à se trouver des locaux. Je suis pas toujours dans la classe, ça fait qu'il faut que le professeur le fasse dans sa planification quand je suis là. Puis c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps à préparer. Gérer des petits groupes, ça fait ça, c'est une chose aussi que je n'étais pas habituée puis qu'il faut que je m'habitue à faire ça.